à tous, les amis, c'est Bon Jumper. J'espère que vous allez bien. Écouter. Moi, c'est tout nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui, les amis, on se retrouve, comme vous le voyez, sur le magnifique et merveilleux monde des Pokémon sur Arc. Merci beaucoup, les amis, comme d'habitude, pour tous vos retours, à la fois avec les likes, à la fois avec les abonnements et surtout vos commentaires. Merci beaucoup, les amis. Ça me fait toujours plaisir de lire et relire vos commentaires. Franchement, que ce soit des astuces ou même des défis autres, c'est génial. Merci beaucoup, les amis, pour tous vos encouragements. Alors, oui, comme vous le voyez, Florisa a la patte coincée, le pauvre. Attendez, on va le libérer. Il a la patte planquée dans le sable. Je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être peur que je lui vole. Je ne risque pas, vu la vitesse à laquelle tu vas. C'est un truc de malade, mon pote. Alors, touchez pas mes potes. Donc, les amis, comme vous le savez, la fois dernière, on s'était aventuré sur l'île du biome Redwood. Et on avait d'ailleurs croisé pas mal de Pokémon que je n'avais pas. Et que du coup, j'ai pu ramener. Et ça, c'était vachement cool. Mais surtout, nous avons vu quelque chose d'étrange. Un phénomène qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et oui, effectivement, sur l'île, hein, bien sûr, du biome Redwood, il y a des hordes incroyables de Ronflex qui sont là-bas. Franchement, le jour où je vais mettre en liberté Ronflex, je l'amène là-bas, je pense qu'il sera heureux comme tout. Étant donné le nombre de Ronflex qu'on a vu là-bas, c'est un truc de malade, hein, franchement. Et en plus de ça, on a vu, bon, effectivement, ça n'a rien à voir avec les Pokémon, on a vu des immenses ruches d'abeilles, et c'était vraiment très très beau. Moi, ça m'a beaucoup plu, tu vois. Donc, les amis, aujourd'hui, on va continuer toujours notre chasse aux Pokémon. Alors les amis, je voulais vous dire une chose par rapport justement aux Pokémon de Pokémon. Léviathan a changé de couleur. What? Ah bon. What? Matt. Alors lui il est en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Dude, ils ont fait une mise à jour. Oui, parce que vous l'avez remarqué, j'ai fait beaucoup de hors caméra, hein. Mais le Léviathan n'avait pas encore changé. Oh, le Léviathan est différent. Il n'a pas la même couleur. Ouh, il est moins bleu qu'avant, mais il est un peu plus réaliste au niveau de sa couleur. Oh, c'est ouf! Oh! Vous avez vu comme quoi il y a encore des mises à jour, c'est ça qui est génial quand même, hein. Waouh! Ah, par contre, il est en train de mourir. Ah, ouais, non mais... Ne le tuez pas! Voilà, et il est plus petit qu'avant. Il est plus petit qu'avant ou c'est parce que je suis loin? Eh, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu rétréci, vous trouvez pas? Bon bah, comme vous pouvez le voir, nouvelle mise à jour de Pokémon Arc. Donc ça je ne le savais pas parce que pourtant j'ai fait pas mal de hors caméra. J'ai enfin les fusils, justement par rapport à ce que je vous disais. Oui, parce que du coup ça m'a perturbé, tu vois. Je vais vous dire que je ne peux pas avoir tous les Pokémon, non seulement parce qu'ils sont pas tous disponibles bien entendu, hein, ça serait énorme, mais malheureusement ils ne le sont pas tous. Et secondo, les amis, il y a aussi le fait que les Pokémon ne peuvent pas tous spawn, étant donné que c'est une map custom. Et effectivement, Mega Dracaufeu a aussi également un petit peu changé de couleur, légèrement. Mais voilà, mais dans l'ensemble, on a quand même pas mal de Pokémon. Et on va continuer d'ailleurs sur cette lancée. Alors, comme je vous le disais, j'ai trouvé une nouvelle île, justement, pas très loin, justement, du biome Redwood. Hein, c'est en allant farmer que je suis tombé sur cette petite île. En général, c'est comme ça, hein, que je trouve des îles où il y a des Pokémon que je n'ai pas. Et bien sûr, je me suis pas aventuré sur cette île. Je l'ai vu de très loin, étant donné que j'étais sur Mega Dracaufeu. Et je me suis dit, ah, on ferait peut-être bien d'y aller à cette île-là. Parce que, les amis, effectivement, j'ai croisé de nombreux Pokémon que je n'avais pas et j'ai hâte de les découvrir avec vous. Alors, j'ai absolument tout. Alors, c'est vrai que je pourrais, on va dire, terminer un petit peu tout ce qui est flèche, mais il me semble que je les avais jetés. Cet homme est vraiment un génie. Le mec, je sais pas si j'ai. Attendez, est-ce que je les ai encore non, parce que je vais pas dire de bêtises. Ah ouais, non, je les avais peut-être tous utilisés, je sais pas. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé une nouvelle zone et ça, c'est cool parce que c'est vrai que là, on a quand même fait le tour de l'île. Vous en rendez pas compte? Il y a plein de zones qu'on n'a pas explorées, certes, mais ce sont des zones, si vous voulez, qui ne sont pas encore. Qui malheureusement ne font pas spawn de dinos, enfin de Pokémon. Au contraire, ils font spawn des dinos, tu vois. Le mec arrive à se contredire. Oui, parce que là-bas, en fait, si je suis pas allé là-bas tout au fond, c'est parce que, comme vous le savez, vous l'avez vu, il y a des dinos. Malheureusement, les Pokémon ne spawnent pas partout. Voilà, donc j'ai pas mal de Pokémon, mais malheureusement, c'est vrai que toutes les zones ne sont pas un point de spawn. Voilà. Bon, alors les amis, je pense que. Alors, est-ce que je vais faire une ellipse ou pas? Parce que c'est pas très loin, mais à la vitesse à laquelle va Mega Dracaufeu. Ah, ça peut vous faire gagner. Ouais, allez, vas-y, ellipse, les amis. Et voilà, les amis, nous y sommes. C'était rapide, vous avez vu. Enfin, pas pour moi, pour vous, peut-être bien que oui, grâce à l'ellipse, j'ai envie de dire. Mais pour moi, ça a été un peu plus long. Alors, du coup, les amis, on est sur la fameuse île, justement, où j'ai croisé quelques petits Pokémon que je n'avais pas. Voilà, hein, d'ailleurs, en fait, tous les Pokémon, vous l'avez remarqué, je les ai ramenés. Hein, voilà, ils sont sains et saufs, tous ceux que j'avais capturés la fois dernière. Donc, ils sont sains et saufs, je les ai ramenés, c'est le principal. Alors, est-ce que on n'aurait pas des petits Pokémon que je n'ai pas? Parce que oui, la fois dernière, je suis venu là, en fait, j'en avais pas. Enfin, j'en avais que des Pokémon que je n'avais pas. Et d'ailleurs, il y a le fameux Dracaufeu pas bugué qui est présent ici aussi également. Et alors, attention, j'espère
Alors, Nino King, hein, on va pas le tenter. Hein. Ah, il est là, Onyx, oui. Voilà, donc il fait partie des Pokémon que je n'ai pas. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment impressionné de l'avoir croisé. C'était un truc de malade. Donc, on va prendre le fusil et on va tirer. Parce que oui, maintenant que j'ai le fusil, je vais en profiter, mon pote, mes puissances 3000. Ok, ouh. Ah, mais il est en train de se faire attaquer. What? Oh, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passe. Eh, j'ai vraiment eu peur. Hein. J'ai cru qu'il allait me tuer. Ah, attends, on va peut-être se mettre en hauteur. Nido King, j'aimerais bien que tu arrêtes d'embêter Onyx. Il l'a eu. Bleu. Oh, ça pue ça. Oh, j'ai peur de le tuer. Ça, malheureusement. Ça, malheureusement. Oh, il l'a tué. Non. Il l'a tué. Non, Onyx. Pourquoi? Il y a des... Ouais, vous avez vu, il y avait un dinosaure. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a un stego qui se balade dans le coin. Oh, mais non. J'étais venu pour ça à la base. Mais il me semblait en avoir vu un deuxième. Ah, je serais deg là. Oh les Nidoking, je les déteste tellement. Je les déteste. Oh, c'est un trio piqueur. Ah, lui, je l'ai pas, lui. Ah, oh, c'est bon ça. Ah, il me faudrait quand même un autre Onyx, quoi. Non. Ah, je suis deg. Donc là, vous l'avez remarqué, c'est un petit peu la zone à Pokémon type pierre, etc. Donc. Oh, lui. J'espère que ça va te faire dormir, mon pote. Bon, j'aurais pu sortir le. Attends, la matraque. Hein. Non, ce n'est pas une matraque. Oh, il me fait pas mal. À l'aise. Regarde, on va sortir la matraque. Zbleu. Allez. One shot. Alors, est-ce qu'il mange des baies? Oui, il mange des baies. Très bien, parce que je n'ai pas de viande sur moi. Bon, enfin, la viande, c'est pas... J'en prends jamais sur moi, à vrai dire. Parce que comme vous le savez, ça prend de la place pour rien. Et puis en plus de la viande, je peux en avoir partout ici. Donc, impeccable. Bon, et il a été quand même un peu chiant, hein. Sans déconner. Bon, alors, il va falloir surveiller. J'aimerais bien quand même qu'il y ait un Onyx. Ah, c'est quoi. Bon, les amis, j'ai retrouvé un Onyx. Enfin, il est pas là, pas devant moi, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, je me suis baladé le temps que, bon, Tru-Picker se tame un petit peu tout seul, tu vois ce que je veux dire. Alors, en allant par là, j'ai croisé, alors, un Onyx, ça, c'est sûr. Il y a d'autres Pokémon que, tiens, au passage, je pourrais prendre. Qui sont pas, bon, voilà, c'est pas non plus mes préférés, mais bon. Ah, voilà, écoutez, ils sont là, on les prend. Waouh, ils sont en train de se battre. Wouah! Mais non! Attends, c'est bien ce que je crois. Attends, je vais vérifier. Non, parce que bon, le mode, des fois, il te fait des surprises quand même, hein. Je vois pas. Non! Non, mais attends! Attends, c'est bien lui! Oh, mince. J'ai balancé une. Oh, j'ai explosé un caillou, vous avez vu? Mais non, mais attends, c'est. Oh, il est mort. Oh, dommage! C'était Rixilius, on est d'accord, hein! Ça peut-être dire qu'on peut en croiser là. Par contre, il y a deux Onyx là. Donc, j'aurais bien voulu en avoir un séparé. Ou est-ce que je veux dire? Parce que là, le problème, c'est qu'ils ont l'air de faire très mal. Parce qu'il me semblait que quand même, Rixilius était fort. Il était très fort, mais peut-être qu'après. Waouh, ils font une attaque multiple. Bon, il y a Magnéti, tiens, par contre, là, je viens de le voir. Là, il y a Magnéti. Oh! Eh! Oh, toi, mon pote, t'aurais jamais dû m'attaquer. Il est où? Voilà, ça c'est fait. Magnéti, t'as encore envie? Ah, parce que le pauvre, il est tellement petit que je l'avais pas vu. Il veut pas me tuer, hein. Non, c'est bon. Oh, mais non, mais c'est... Oh, y'a... Oh, mais y'a tout le monde! Y'a que des Pokémon que j'ai pas! Calmez-vous! Reste là. Je crois que je l'ai, hein. Je suis pas sûr. Je confonds. Allez, c'est pas grave. Voilà, hop, ça en fait un en plus. Oh, les gens, je ne sais même plus. Je ne sais même plus où j'en suis. Magnéti, reviens. Magnéti. Nya. Nya. Voilà, impeccable. Ok, qu'est-ce qu'il mange, Magnéti? DB, je parie. DB. Ok, DB. C'est en train de m'attaquer encore. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. On est où, lui? Ok, impeccable. Bon, là, ça va être chaud. Je vais pas vous mentir, ça va être très très chaud parce que là... Onyx est mort. Onyx est vivant. Ok, Onyx est vivant. Alors, ils sont séparés, donc on va en profiter. Yes, on en a un. Parfait. Ok, celui-là, il est pour nous, par contre. Celui-là, il est pour nous. Impeccable. Impeccable. Allez. Ne te bats pas. Laisse-toi faire. C'est ça, fuis. Yes. D'ailleurs, c'est complètement what the fuck, hein. Comment une balle peut aller dans la roche, quoi. Ok, impeccable. Impec. Il est où son bar? Ok. Oh, mais non. Ah, c'est un mammouth.
J'ai pas vu le logo, ok. Énorme. Bon, par contre, ils prennent tous des B, quoi. Ok, c'est bon, les amis. Wouh. Comme vous voyez, regardez, j'ai obtenu Onyx. Et également, bien sûr, alors, Ossature. Bah oui, parce que moi, j'ai obtenu Osli. Voilà, j'avais confondu, bien sûr. J'avais complètement oublié que je n'avais pas encore l'évolution. Et bien sûr, Magnéti. Qui est, je ne sais où. Ah, il est là, voilà, il est tout petit, voilà, donc ça fait trop plaisir. Alors, je vais les laisser là, bien entendu, comme ça, je viendrai les rechercher. Et Onyx va absolument m'attraper, je ne sais pas ce qu'il fait avec moi. Donc, attendez, on va le laisser là, voilà, comme ça. Oh, il est tellement grand, quoi, waouh. Magnéti, on peut pas le monter, bon, ça a un sens. C'est logique, est-ce que ça tueur. Où est-il? Il est là, mon petit pépère. Viens, sors de là, parce que je vais t'oublier, je te jure, je vais t'oublier. Allez, viens. Oh, ça tueur, vite. J'ai pas envie, je suis blasé. Ok, merci beaucoup. Oui, non, il a une voix de Rocky, hein, vous savez pas. Voilà, et Onyx qu'on peut monter. Les gens, regardez. Youhou. Ouah là là, il est tellement grand. Et attends, on est agrandi là, j'ai l'impression. Ouais ouais, on est agrandi. Oh yeah. Oh, il peut récolter les baies. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Ah, ça c'est vraiment génial. Ah, mais ça c'est méga génial, hein. Oh, ça va être extraordinaire. Oh, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop... Et j'ai l'impression que le... Oh, mais attends, mais c'est pas incroyable. Oh, mais je l'ai pas... Eh, lui, je l'ai pas... Nickel. Attends, ce qu'on va faire. On a l'évolution, mais on n'a pas ce qu'il y a. Bon, le mec, il fait tout dans l'inverse, tu sais. Alors, viens là. Ah, j'ai tiré sur Onyx. Veuillez m'excuser. Je vais pas le rendormir, ce serait dommage. Allez, viens là. Allez, viens. Je t'attends. Oh. Non. Passif. Ne vous inquiétez pas, je le gère. Pire des cas, j'ai encore mon méga draco feu qui est là. Voilà. Allez, vas-y, viens me chercher. Hop là. Voilà, on va monter. On va faire comme ça, regarde. On va faire comme avec les dinosaures. C'est la même technique. Hop, c'est la même technique. C'est la même technique, mais c'est pas facile. Allez, recharge. What the... What the fuck. Mais qu'est-ce qui... Attends, on va se mettre un peu plus loin, hein. Comme ça, il aura le temps de recharger, hein. Allez. Voilà. Ah, tu m'étonnes, ça, la barre de temps là, du descendre à fond, là. Il va vite, hein, quand même, hein. Il va vite. Ok, il arrive, il arrive, il arrive. Allez. Allez. Oh là 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 là, il va être chaud. Oh, je me demande si ça va pas être la même galère que Nidoking, tiens. Oh, ouais. Oh, je le sens gros comme un ballon. Non, non. Ah, vite, vite. On monte. Ok, alors je sais pas si on va essayer de la voir. Mais là, normalement, il aurait dû être endormi, hein, les gens. Donc, on va peut-être trouver une autre technique. Moi, je suis bien là, n'empêche, hein. Alors, n'arrive pas à m'avoir. Moi, je pense qu'à mon avis, on va pas réussir à l'endormir. Je pense pas. À mon avis, ça a pas d'effet sur lui. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave, j'ai une autre technique. Vous savez quoi? Regardez ça. Ouais, j'ai fait du craft, effectivement. Vous l'avez remarqué, hein, vous aussi. Allez. Hop. Nickel. Allez. Et voilà, mon gars, j'aurais dû y penser plus tôt. Ah bah oui, attends. Ça, c'était vraiment... Eh, justement, c'est par rapport à Nidoking que j'ai fait ces Pokéballs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ouais, attends. Faut pas déconner, hein. Eh, je suis flow jumper ou pas? Attends. Bon, on va voir maintenant si ça a fonctionné. Oui, je vais le mettre ici parce que vous allez me dire « Ouais, mais pourquoi tu le mets pas là-bas ? » Bah parce que, au moins, j'aurai la vérification directe, tu vois. Savoir si ça marche ou pas. Attention. Eh, ça n'a pas marché. Bon, on se le compte quand même, hein. On le fera spawn, au pire, on le fera spawn. Voilà. Bon, alors, les deux autres sont là. Ils sont APK, Magnéti est là. Impec. Bon, alors, je vais me balader un petit peu, histoire de voir si je peux pas croiser d'autres Pokémon. Et mon Magnéti a disparu. Encore un. Qu'est-ce que c'est que ce Beans, quoi? Attends, c'est un Tignon qu'on a là-bas? Mais oui! Mais oui, c'est bien lui! Mais c'est génial, cette zone! C'est un truc de malade! C'est extraordinaire, quoi! Il y a absolument tous les Pokémon que j'ai pas, quoi. Ok, allez, vas-y, on va le tenter. Si on voit qu'on galère, on fait pareil. Hein. On... Oh, il va... Oh, ça devrait aller. Ah, la vitesse à laquelle il va, regardez-moi ça, quoi. Ça devrait aller, vous inquiétez pas. Allez, hop! Ça, c'est fait. Ouais, tu peux te la péter en faisant le boxeur, hein. Mais ça marche pas avec moi, mon gars. Ok, oh, les amis. Alors oui, comme...
comme vous l'avez constaté, je vous ai fait une ellipse pour pas charger, tout simplement parce que, bah déjà d'une, pour attendre un petit peu que la nuit arrive et que le jour se lève, parce que oui, la nuit était en train d'arriver, bien sûr, à chasser les Pokémon de nuit, c'est pas terrible, je peux vous le confirmer, et en plus de ça, pour bien sûr avoir Tignon. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas, ok, il est là-bas, et en plus de ça, j'ai pu tester justement la Pokéball sur Nidoking, et je peux vous dire que ça fonctionne à merveille. Voilà. What? Attends, j'ai utilisé quoi là? What? J'avais pas la bonne Pokéball dans les mains. Alors attendez, je disais à merveille. Voilà. Donc ça fonctionne pas. Non. Je plaisante. En plus de ça, je voulais vous faire un troll, mais même le troll n'a pas marché parce que j'avais capturé un Triceratops avec la Pokéball et je me dis oh mais regardez, Nidoking a muté, tu vois. Donc non, plus sérieusement, malheureusement, ça ne marche pas sur Nidoking. Donc Nidoking, regardez par exemple un exemple de what the fuck. C'est un Léviathan rouge? Ah non, c'est... J'allais dire, what? C'est un Léviathan rouge? Mais non, c'est un Rexilius, quoi! What? Mais attends, je vais aller... Oh, Tignon, tu es tellement stylé. Vous savez ce qu'on... Oh là, par contre, qui a zoomé comme ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller capturer... Alors, par contre, je ne sais pas du tout la puissance de la bête. Ici, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé? Je dirais qu'il est coincé. Oui, il est coincé. Hein. Donc... Oh, il l'a pas aimé. Oui, il est coincé, tant mieux. On en profite. On en profite. Il dort. Il est inconscient, j'en suis sûr. J'en suis sûr, il est inconscient. Oh, j'arrive, ma bête. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Ah, ouais, t'étais vraiment coincé. What? Je viens te sauver. Ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que tu manges? Je crois que ça marche, hein. Oui, mais c'est bon. Ça a l'air de marcher. Ça, il mange de la viande. Ok, nickel, il mange de la viande. Super. Oui, parce que bon, les baisses, c'est bien, mais c'est hyper long à farmer. Bon, tu me diras, oui, Onyx, effectivement, on l'a vu, je le dis, je le redis. Il fait très bien le tap, mais bon, c'est pas ça. C'est que j'ai quand même pas mal de nourriture sur mon méga Dracaufeu et plutôt que le perdre. Ah bah tiens, il y a même des baies, tiens, tu vois. C'est peut-être en tuant certains Pokémon. Et bah voilà, impeccable. On va pouvoir du coup avoir ce plus gros Pokémon. Enfin, c'est un gros Pokémon. J'allais dire ce plus gros Pokémon terrestre que je puisse avoir, mais non, parce que maintenant j'ai Onyx, mais ouais. Et par contre, Magnéti, alors je ne sais pas où il est planqué, mais je ne le retrouve pas. Ah, il est dans Onyx, d'accord, c'est pour ça que je le voyais pas. Par contre, le problème de Onyx, c'est que les amis, quand on est dessus, comment vous dire, c'est hyper dur de se déplacer. Est-ce qu'on peut récolter le métal avec lui? Oh, mais il sert vraiment à tout, hein. Mais ce Onyx, il est génial. Regardez ça, il récolte tout. Il récolte tout. Alors, pas le métal. Très bien, mais la pierre, par contre, très grand fan. Hein. Très grand fan. Oh, elle est baie, quoi. Oh là là. Pff, je t'aime déjà, Onyx. J'aime énormément ce Pokémon. Moi, personnellement, c'est un de mes Pokémon favoris. Faut savoir. Sans compter Stélix, qui est génial. Il a toujours eu vraiment. Dès que je l'ai vu dans l'arène de pierre, je l'ai kiffé, tu vois. Voilà, c'était comme ça. Ok, bon. Très bien. On a tout ce qu'il faut, Magnétil. Oh, Magnétil, c'est bon, on saturé là, ok. Et on a quand même capturé pas mal de Pokémon. On est bien. On est même très bien. Par contre, je suis un peu triste pour Onyx. Nidoking, pardon. Parce que malheureusement, on ne peut pas le capturer. Voilà, que voulez-vous? On ne peut pas avoir tous les Pokémon. Il en est où, lui? Ok, c'est bon. Je pense pas, pour le moment, on n'a pas eu besoin de Narcoberis. Donc, vous avez vu, on commence à se rapprocher un peu de la zone des dinosaures. Je vous l'avais dit. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un moment, on est pas. Il y a un moment, malheureusement, les trois quarts de la moitié de la map, pas les trois quarts, c'est pas des spawns de Pokémon. Donc, du coup, c'est un peu problématique pour avoir tous les Pokémon. Mais le but étant d'en avoir un maximum et surtout, Mewtwo. Lui, alors d'être vraiment très fort. Hein. On va se méfier. Impeccable. Alors, je sais pas si c'est lui que j'ai touché. Si c'est lui. Oh, en plus, il est occupé. Ça marche quand il est occupé. Yeah! Ah non, là, c'est pas lui. Là, pas cool. Phéromone! Phéromone! Attaquez-le, lui, pas moi! Ah, j'ai un troupeau aux fesses! Oh, c'est pas bon, ça. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, méga drac au feu, c'est ce qu'il te reste à faire. Quoique, je pense qu'il y a moyen que... Oh, ils ont dû avoir mal. Allez! Tu l'es! Voilà. Oh, les phéromones! Oh non, pas les phéromones! Pas les phéromones! Il est fatigué. Il est fatigué. Ah, attendez, on va régène. Allez, on s'envole, on s'envole. Allez. Oh! Voilà! Ça, c'est fait, mon petit Pachy. Allez, impeccable. Il y en a un autre qui arrive. Oh, il y a Magnéti. C'est pas le mien. C'est pas le mien, rassurez-moi, c'est pas le mien que je suis en train d'attaquer là. Hein, ah, parce que si je le tue, je vais avoir le seum. Attends, il est où? Il est là. Non, c'est pas le mien. Allez, boule de feu! Boule de feu! Ok, très bien. Bon, bah, je ne sais plus viser.
Allez, phéromone, il va faire ses phéromones. On le sait. Oh, et puis mince, allez, boum. Oh, mais même ça, j'arrive pas à viser. Bon, allez, comme ça, là, si ça y va pas, regardez. Voilà. Voilà, et en plus, c'est l'autre, il fuit. Impec. Il est occupé. Alors, il faudrait que maintenant, il vienne sur nous. Oh, il va mourir. Oh non, il a une barre de points de vie. Il a une barre de points de vie. La Pokéball. La Pokéball. Alors, normalement, ça devrait pas marcher. Mais je vais vous le montrer quand même, ça. Vous allez voir que ça marche pas. Allez, prends ça. Voilà, vous êtes témoins, regardez. Ça marche pas. Oh, quel dommage, les amis. Oh, comme vous avez vu, on n'a pas pu obtenir, justement, bah, l'autre Pokémon, hein, malheureusement. Et en plus, vous avez la preuve, une fois de plus, qu'on peut pas tous les avoir. Malheureusement, c'est vrai, hein, ils sont plus là pour pour faire acte de présence, malheureusement, hein, parce qu'on peut pas tous l'avoir. Et aussi, c'est aussi pour ça qu'il y a, justement, le fameux PC qui permet de faire spawn les Pokémon. On va continuer un petit peu. Alors, on a un Fenard qui est là. Fenard, je sais que je l'ai pas non plus. Que c'est un Pokémon que je veux depuis un petit moment également. On a un Dardanian Shiny qui est en face. Mais bon, Dardanian, on l'a. On le connaît. Voilà, on connaît les bails, comme on dit. Allez, j'arrive. Fenard. Fenard, non. Ne fuis pas. Il faut dormir. Yes. Ok, il dort. Bon, alors le Dardanian, par contre, il est magnifique. Mais on va pas le tenter. Il est en train de poursuivre un chute-sifflet en plus. Enfin, on va le laisser tranquille. Sauf que lui, il a pas envie de me laisser tranquille. Voilà. Et bien sûr, il faut qu'il vienne m'attaquer moi. Ha. Tu vas voir si tu fais le malin face à mon méga dracofeu, mon pote. J'arrive, t'inquiète. Bon, là, pour le coup, on a vu que pour Fenard, ça marchait. Yay. Oh, je sais pas s'il était dedans. Mais en tout cas, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres, hein. C'est la destruction, quoi. La désolation de méga dracofeu. Ok, il est là, à nouveau. Ok, vas-y, viens, viens, viens me chercher, viens me chercher. Je t'attends. Vas-y, viens. Oh, on recommence. Jusqu'à temps que tu meurs. Allez. Oh là là, ce que je lui envoie. Oh yeah. Je l'ai eu. Ok. Très bien. Toi, tu viens pas m'embêter, hein. Je suis tranquille, ok. Voilà. Allez, viens là, mon frère. Ok, qu'est-ce que tu prends? Tu prends des baies? Il prend pas de baies. Il prend de la viande. Mais moi, en fait, j'aurais dû regarder l'image des dinos depuis longtemps. Parce que là, on a un loup, là. Donc, mais c'est vrai qu'on le voit pas tout le temps. On le voit là, regardez. Voilà. Oh, je suis désolé, les amis, si vous m'avez parlé de ça. C'est vrai que j'avais vu ça depuis un moment, mais je sais plus si c'était affiché. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai pas vu beaucoup de monde qui m'en avait parlé. C'est pour ça que j'avais pas tité le truc. Mais ça serait une bonne technique. C'est une bonne technique. Bon, et bah, franchement, on a eu pas mal de Pokémon une fois de plus. Et comme d'hab, comme je le répète, ce sont des Pokémon qu'on n'a pas. Donc, c'est génial. On va terminer par un Fenard. Très beau. Très joli. Alors, est-ce que... Ah, il a une barre de points de vie. Oh, horrible. On peut pas tous les avoir, hein. Vraiment, celui avec les barres de points de vie, c'est qui tout double, quoi. C'est soit on a la possibilité de les capturer, soit ils ont pas été config encore pour pouvoir être capturés. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On l'a bien vu avec Nidoking, on a eu la preuve. Yeah, les amis, c'est bon. On a Fenard. Et voilà, les amis. Oh là là, cette journée, c'était génial. Ah oui, j'ai pas oublié Rexilius, hein. Vous inquiétez pas, il est là-bas d'ailleurs. Est-ce qu'il peut venir me suivre ou il est vraiment coincé? Alors, je vais pas envoyer une boule, hein, parce que une boule de feu, parce que ça va le tuer, hein. Ça peut le tuer. On va aller... Alors, est-ce que je peux aller dessus? Non, on va lui demander de me suivre. Ouais, bah nickel. Regardez, en fait, il faisait semblant d'être coincé, quoi. Il voulait juste attirer mon attention pour que je le sauve. Et pour que je le capture, surtout, ouais. Ha. Regardez-moi ça, quoi. Oh là là. Cette chasse. Cette chasse était vraiment top. Sans déconner, on a eu des beaux petits Pokémon, hein. On commence à arriver vraiment à en avoir vraiment pas mal, hein. Ceux-là, bien sûr, je les ramènerai, bien entendu, comme vous en doutez bien, à la maison. En tout cas, oh, c'était génial. Alors, on peut monter Fenard, mais je vais pas le tenter, parce que vous doutez bien que sinon ça va bugger, étant donné qu'il a une barre de points de vie. Et lui, est-ce qu'on a une attaque précise? Non. Voilà, il est vraiment juste très fort et très très grand. En tout cas, bah, les amis, regardez-moi ça sur ce petit coucher de soleil. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, les amis, que cette petite capture dans cette nouvelle zone vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, je vous invite à bombarder la barre de like. Comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Ainsi que vous abonner à la chaîne et partager la vidéo. Sur ce, les amis, c'était FootJumper. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, les amis.